pas venir dire rien là dans dernier temps. Dernier temps arrivé, ça seulement vient après nous là. Vient nous seulement depuis jodi a abandonner le péché pour capable hériter royaume ciel là. Parce que toute période jo fini, nous était seulement 7 étapes dans programme mon Dieu pour toute bagaille fini. Frères et sœurs, c'est la Bible qui dit si nous pas réprimer le péché, si nous pas haïr le péché, eh bien nous pas capable d'hériter royaume ciel là. Donc a remarqué David était avec un ensemble de frères qui c'était des guerriers, c'était des militaires. Lorsque Goliath insulté, eh bien, il était sorti pour y aller goumer avec Goliath, mais il va être capable de vaincre Goliath. Et David vient pour aller manger par les frères. Et bien, David, voyons, ainsi qu'on s'y consacre pas qu'à insulter un homme de Dieu. Et bien, David, il veut prendre charge là. Et bien, qui ça fait ou fait? Fait oublier que c'est Goliath qui était problème là. De pencher de préférence vers David. C'est une raison que moi, je viens dire. Au lieu que vous raillez frère avec soeur de préférence, je vous dis, il faut que vous raillez de préférence péché. C'est péché qu'on doit raillez, c'est pas frère là. C'est péché qu'on doit réprimer, c'est pas frère là. C'est péché qu'on doit ignorer, c'est pas frère là. Apprendre, remettre frère avec soeur et raillez de préférence le péché. Même si c'est un péché qui t'aide, même si c'est un péché qui te donne de confort, tu dois haïr le péché. Haïr le péché, frères et sœurs. Même si c'est un péché qui nous donne de confort. Frères et sœurs, nous mettons seulement cette étape dans le programme mondial pour toute bagaille finie. Et ou même, venez aujourd'hui, qui va choisir d'abandonner le péché pour venir joindre Jésus-Christ. Et dans le dernier temps, les bagailles vont venir pitié. Vous allez manger dedans, vous allez avoir rel, vous allez avoir grand goût, vous allez avoir famine. Frères et sœurs, il est le temps pour nous capables. Raï péché pour nous venir joindre Jésus-Christ. Dans sept programmes qui étaient dans sept étapes qui étaient dans le programme mondial pour toute bagaille finie. Ça fait, dans 1 Corinthiens et dans Galates 6, verset 7, il parlait de si, sans si, mais c'est lui qui a récolté. Sans si, mais frères et sœurs, c'est lui qui a récolté. Un et encore, sous toi, tu es fait ou pas récolter le dernier jour. Première étape, l'enlèvement de l'église. L'église peut enlever avec Jésus-Christ. Dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16 à 17, il dit car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette, Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés ensemble, enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Frères et sœurs, Mbindo, on n'a pas de chance dans le sang encore pour accepter Jésus-Christ. C'est dans le moment ça même où j'ai mis Jésus dans la vie. Mbindo, on n'a pas de temps encore pour accepter Jésus-Christ. Dans le moment ça même où nous devons prendre Jésus-Christ à la rencontre. Et après, nous finissons de rencontrer Jésus-Christ. Après le son de la trompette, nous allons vivre ça avec les noces de l'agneau. Dans Apocalypse chapitre 19, les noces de l'agneau. Nous allons vivre les noces de l'agneau. Deuxième étape, la grande tribulation. Immédiatement, l'église finit d'enlever. Nous allons l'obéir sur la terre. Dans une grande tribulation, le monde va le bouleverser. Et si vous avez 666, vous êtes capable de fonctionner. C'est tout le monde qui est 666 qui est capable de fonctionner. C'est raison ça me vient de bagarre qui est plus grave. Les bagarres sont plus graves là. Est-ce qu'il y a une possibilité de voir accepter Jésus-Christ? Ce n'est pas courir pour Jésus-Christ pour nous faire Maxime. Vous n'avez pas de temps encore. Ce bagarre est plus grave. Les bagarres sont plus tu. Il y a qui mange dedans. Frères et sœurs, il est ça. Il y a des gens qui ont sauvé à seulement moyen 5. Il y a des gens qui ont sauvé à 1. Il y a des gens qui ont sauvé à 1. Il y a des gens qui ont sauvé à seulement moyen 5. Frères et sœurs, il est le temps pour nous travailler. Pour nous travailler. Pour nous capables de sortir dans le péché. Pour nous hériter au royaume ciel. Frères et sœurs, si vous n'avez pas choisi Jésus dans ce moment-là, vous avez pire de pire devant, vous avez tout le monde. Matthieu chapitre 24, Matthieu chapitre 25, vous avez tout le monde, frères et sœurs. Attention, troisième étape, le retour du Christ. Jésus-Christ va retourner physiquement. Après le chapitre 19.
tout œil, tout yeux après Jésus-Christ, c'est ça. Tout œil. Le grand jour de sa colère va venir. C'est que le Jésus-Christ a retourné. Jésus-Christ a retourné sur les monts des Oliviers. Et Zacharie 14 dit sur les monts des Oliviers, Jésus-Christ allait retourner encore sur les monts des Oliviers. Et le Jésus-Christ retourné, il a commencé le discours. Et le Sagbal dit arrêtez et sachez que je suis Dieu. Somme 46. Avant Jésus-Christ, pendant ce discours-là, l'a dit avant. Il vous m'avez l'a dit avant. C'est lui qui a dit c'est lui qui a fait cesser le combat. C'est qui seulement qui a fait cesser le combat sans bien capter sur la terre. Manger donc dans le gain. Jésus-Christ seulement. Jésus-Christ va dire arrêtez. Et ça, on a vu, c'est pas qu'à tout le monde. Parce que Jésus-Christ va dire arrêtez. Quatrième étape, le jugement des nations. Acte chapitre 25, le verset 31 à 34. Le jugement des nations. Toute nation va juger. Cinquième étape, le règne millénaire du Christ. Chaque jour, après, on va dire que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Hein? Par le règne des millénaires. Tout, on a prié, on a dit ça. Hein? Dans le moment, ça va dire qu'on doit vivre plus sans qu'il m'ait touché là. Attention, vous t'avez aimé là. Vous t'avez aimé là. Vous t'avez aimé épanouir l'enfer ça. Vous t'avez aimé épanouir le temps de faire ça. Eh bien, acceptez Jésus-Christ. Parce que vous avez galéré. Vous ne l'avez fait parce qu'on fait trop péché, non. Vous ne l'avez fait parce qu'on régne Jésus-Christ. Jésus-Christ mourit au péché nous déjà. Le fait qu'on régne Jésus-Christ, vous ne l'avez fait. Vous allez brûler dans le temps de feu. Vous régnez Jésus-Christ. Sixième étape. Le jugement du grand trône blanc. Apocalypse chapitre 20, verset 11 à 15. Le jugement du grand trône blanc. Tout le monde va juger. Devant le grand trône blanc. Le jugement du grand trône blanc. Même la mer. Le séjour des morts aussi. Et dernière étape là, c'est la septième étape là, frères et sœurs. Alléluia. Merci Seigneur. C'est l'éternité bienheureuse. L'éternité bienheureuse avec Christ. Oh, alléluia. Qui grand jour ça va y aller. Nous vivons. Qui grand jour ça va y aller. On a rencontré Jésus. Qui grand jour ça va y aller. C'est l'éternité bienheureuse à l'éternel. Côté qui pas bien manger dedans. Côté qui pas bien souffrance encore. Côté qui pas bien et douleur encore. Côté qui pas bien maladie encore. Côté qui pas bien mal. Oh, alléluia, merci Seigneur. Côté qui pas bien manger dedans encore. Laisse ça, c'est bienheureux. L'éternité bienheureuse. À Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse.